Bonjour à tous les gamers, on se retrouve. Bonjour à tous les gamers, aujourd'hui on se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de The Evil Waiting. Donc nous sommes rendus au chapitre 6, perte de contrôle. Donc on se rappelle tous de l'épisode 5, enfin du chapitre 5, avec la petite créature que j'ai brûlée bien correctement. Quelque chose vous a fait peur ? Ils m'ont trafiqué le cerveau ou quoi ? Vous n'avez pas bonne mine. Vous devriez prendre mieux soin de vous. Tout ce que t'as à me dire. Bon, on commence encore très bizarrement, j'ai envie de dire. Le plancher de l'église s'effondre. Aucun blessé, des témoins parlent de miracle. Le plus gros scandale éclaboussant l'église à ce jour. Le plancher de l'église de Cedar Hill s'est effondré pendant les rénovations. Pour les paroissiens, seul un miracle a permis d'éviter les blessés. Ok. Ouais, peut-être. Pas grand chose. Je sais plus si j'avais des clés par contre. Enfin, on va le savoir tout de suite de toute manière. Non, je n'ai pas de clés. Ok, ok. On va aller faire un tour vite fait. Si j'ai dégelé pour améliorer un peu avant de partir. 4006, ouais, on va faire grand chose avec ça, je pense. Ouais, si je peux quand même faire des choses. Seringue, allumette. Allumette, je vais peut-être améliorer un peu parce que. Je ne sais pas qu'on peut en stocker beaucoup. Munitions de fusil à pompe et pistolet. Voilà. Et il me reste 1100. Bon, bah, les allumettes. Ce grenade, j'en sers pas énormément donc j'ai pas l'intérêt. Et puis voilà. On aura amélioré un petit peu quand même. Hein. Histoire de pas être venu pour rien. Non, d'accord. Bon, t'as rien à me dire. Soit. Je suis curieuse d'aller retourner là, moi, tiens. Ok, je peux pas. Ah, t'es trop beau, tiens. Ah, oh, ça m'énerve à chaque fois. Quand j'arrive là, je suis même capable de savoir où aller. Ah, je sais pas si vous avez déjà joué à The Evil Waiting, mais franchement, je trouve que c'est grave la galère quand on arrive là. On a le droit à la super cinématique. Bon, bah, de toute façon, il y a que dalle, hein. Comme d'hab. Oui, comme d'hab. Donc on se retrouve pour la suite de The Evil Waiting, après ma coupure. En fait, c'est juste que sur la table, vous savez où il y avait le carton, etc. Là. Il fallait tout simplement, ben là où on était là, il fallait tout simplement voir là les cartes. Voilà, tout simplement. Et du coup, qu'a généré un petit scénario où la lumière s'est éteinte. Voilà, il n'y avait rien de plus particulièrement. C'était quoi ce bruit ? Je pose un peu la même question en fait. Je crois que je vais m'équiper d'un flingue. Ça pourrait être une bonne idée.
Depuis le début, je me dis qu'elle est louche, de toute façon. Ah ouais, maintenant les escaliers, tiens. Ça s'ouvre pas. Ok, bon, on va descendre, de toute façon. Je peux rien ouvrir, quand même. Sébastien. Waouh. Ah ouais, c'est une belle entrée en matière. Y a rien à dire. Je suis censé faire quoi? Hop, passons par là. Hop, j'ai vu ça après. Ok, ça se prend. Y'a pas de problème. Faut pas les casser ces grosses caisses là, non? C'est trop beau, on dirait. Bon, on remonte, hein, y'a pas de problème. Ça pue un peu la merde quand même. Hein. Plus ça, plus du tout. Ah non, on retrouve le dehors. On retrouve l'extérieur. Allez, prends une bonne bouffée d'air frais, mon garçon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'extérieur. Ah putain. Ah, c'est même bizarre, je trouve. J'ai mal aux yeux, à force. Bon, ben voilà, on a retrouvé l'extérieur, c'est cool. Perte de contrôle. C'est le même endroit que sur les photos. Alors là, nous avons deux choix, à gauche ou à droite. On va prendre à droite. Parce que je me dis que ça va nulle part, donc il y a des choses à prendre. Hop, je regarde ici en bas. Bon, en bas, clairement, il n'y a rien. On va essayer de monter. Ah, déjà, il y a des cartouches. Des balles. Bon, il n'y a que des balles. Ça, c'est pas plus compliqué. On va les mettre directement. Hop, et on descend. Ensuite, on va faire le tour du bâtiment, voir ce qu'il y a. Hop là. Alors. D'accord, on peut pas faire le tour. Ok, bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Là, je pense que ça va être moins terrifiant, entre guillemets, quoi. Moins hard, je pense, qu'à l'intérieur. Parce que l'intérieur était quand même... On était quand même dans l'ombre, dans la nuit, quoi. Donc... Bon. Pas grand-chose, hein, mine de rien. Pas beaucoup de vie, pas beaucoup de... Pas grand-chose. Ça pue un peu la merde, on va quand même pas dire, mais... Ah. Est-ce que ça va? Ma tête arrêtait pas de bourdonner. J'ai bien cru qu'elle allait éclater. Mais maintenant, je commence à m'y habituer. T'as vu Kidman? Ah. Non. J'étais seul quand je me suis réveillé. J'ai dû m'évanouir ou
ou me transformer. Il est temps qu'on se barre, je pense. Hein. Les échelles, grimpons. Encore dépêche-toi d'ouvrir. C'est ce que j'essaie de faire. Il me faut un peu plus de temps. Merde. D'accord, ok, j'ai compris. Hop, je cherche ce que je peux. Pleine tête. Allez, viens, mon garçon, approche-toi un peu. Oula, bonjour, toi, je t'ai pas vu. Putain, mais lâchez-moi la grappe là. Franchement, hein. Voilà. Ah, ballon. Continue de me couvrir. Elle est belle la blague. Ah, fusil à pompe, j'ai plus rien. Harponneur, j'en ai un, allez, on va prendre. Voilà. On prend des balles. On prend la hache. Hop. Excusez-moi. Hop, voilà. Nickel. Putain, non mais sérieux, gars, dépêche-toi un peu parce que là, ça pue un peu la merde ton affaire. Merde. C'est pas ça, j'essaye de viser. Ok, ils ont flambé, je sais pas comment, mais tant mieux pour mes gars. Hop. Carreau immobilisant. Carreau pour un ballet agonique qui immobilise temporairement l'ennemi. La cible finira par se détruire, excepté dans certains cas. Ok. Ok, donc ça je prends, ça je prends. Un peu de gel. Pas mal de choses aussi, on prend pareil. Putain, en gros, faut que je retienne tout le temps, quoi, c'est ça? Sauf que je pouvais pas les retenir indéfiniment. Munition. Ah, voilà ce que je disais. À pompe, y'a plus rien, si j'en ai trois. Hop, on tourne. Hop. Hop. On récupère. Balles, t'as soulevé le piège, tu les retiens. Ils sont deux fois plus nombreux. Y'a le temps de te plaindre. Non, mais c'est quoi cette connerie là? Bouge! Si je peux t'en foutre un coup, hein, y'a pas de problème. Je peux pas monter ça. Là. On va prendre. Aveuglant, non, reponneur, non, clairvoyant, non, électrique, non, immobilisant. Oh, et on se calme un peu, les mecs, hein.
Non, j'ai tiré à côté, ça a rien fait. Hop là. C'est bon, Sébastien. Ouais, on super, parce que là... Ah, merci. Deux balles. Ok, on va faire avec. Voilà. Merci, au revoir. On s'arrête deux secondes. On fera pas long feu à ce rythme. Je pense qu'il vaudrait mieux filer d'ici le plus vite possible. Regarde cette tour là-bas. On pourra avoir une meilleure vue du coin. Et bien sûr. Ce sera déjà mieux que de rester planté là. Bon, déjà, on va récupérer ce qui est là. Ok, c'est un snipe, je crois. Yes! Snipe. Alors attends. Si je peux pas prendre mon truc. La sorgue, dans ce cas, je vais en mettre une. Ça fera pas de mal. Après, je peux récupérer la deuxième. Ensuite. Ah non, mais non, non, je pars sur le. Non, je pars sur le carreau. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Fais attention. Il y en a peut-être d'autres. Ouais, je m'en doute. J'ai l'impression de viser, mais ça fait rien du tout, quoi. Le mec, en gros, tu lui tires dedans, il n'a rien à foutre. Yes, merci. Putain. Tu m'as fait quoi, toi, mon pote, là? Allez, tant qu'il est de dos, c'est bon. Allez. Allez, tant qu'il est de dos, c'est faisable, merde! Ah, ils s'en est pris sur la gueule, vos gars. Putain, ils s'en est pris plein la gueule. Voilà. Fusil à pompe, j'en ai deux balles. On récupère rien sur lui, hein. Là, la misère. Bon, du coup, d'où qu'il venait, là, il y avait quelque chose, à mon avis. Bonjour. Aïe, putain. Putain, mais... Sébastien. Dans la merde. Aïe, putain, mais ils visent bien en plus ces bâtards. Franchement, pour des zombies, je trouve qu'ils visent un peu trop bien. Là. Loupé. Plus de munitions. Hop. Hé, te v'là quand même, toi. Allez, occupe-toi d'un petit peu, parce que... On va dire que là, tu nous sois vraiment une grande aide, hein. On sait pas où t'étais, mais bon. Alors, on récupère un peu tout ce qu'on peut. Hop. Alors, il y a quoi à récupérer, là? Voilà, une bouteille. Ouais. Okay, j'ai aucune idée de ce que ça va servir. Tiens, j'ai bien fait de la merde. On va monter en haut. Ouais, tire de là-haut. Ah ouais. Ah. Ah ouais, je me suis pris je sais pas quoi d'enflammer là dans la gueule. Ouais, il tire de là-haut, ouais, ouais. Je sais pas ce qu'il tire par contre, hein, mais je sais pas, des carreaux explosifs ou même pas des carreaux explosifs, parce que ça flamme pas, donc...
J'ai pas eu le temps de voir, hein. Que dalle. Ouais, moi je vais redescendre deux secondes un petit peu parce que c'est bien beau tout ça, mais je vais voir un petit peu ce qu'il y a en bas. Merde. Faut qu'on les détruise toutes pour pouvoir rentrer. Tu permets 5 secondes ? Je ne ferai pas de commentaires. Je ne dirai rien sur ce qui vient de se passer. Oh, mais le fait que... Là, hein. Non, mais j'ai rien avant de partir comme ça. Voilà, faut quand même bien passer voir s'il n'y a pas des balles. De la chili. Pas n'importe quoi, quoi. Ou de se barrer comme ça. Je suis pas d'accord, moi. Bon, là, je me barre de ces trucs-là. J'arrive jamais, de toute façon. Ok, donc en fait, ça sert strictement à rien, c'est juste pas le tour. Ok, et du coup. Du coup, si on passe par là, y'a quoi? Rien, j'ai l'impression, en plus. Elle est partie vers l'au-delà. Ouais, non, c'est bon, je vais repasser par l'autre côté. Hein. Viens là, mon pote. Viens là. Je vais peut-être faire une petite seringue vite fait. Y'a quelqu'un à ton cul, hein, je peux pas dire. Mais... Yes. Allez, hop, on monte par là. Les ennemis sont ratés par les bruits de style comme une porte ouverte dans un coup de pied. Oui, bah ça, je comprends bien. Ah ouais! Ah, c'est pas cool ça. Mais tu peux pas m'aider où il passe à côté et puis en mode rien à foutre? En gros, là, faut que je prenne le snipe. Et que je vise l'autre là-bas. Et là, faut se ranger. Comment il peut me viser, sérieux? Là, on peut passer sans se faire amocher. C'est ça. On n'y arrivera pas si on ne détruit pas ces batteries. Ok. Bon, déjà, là, normalement, comme il a dit, on peut passer sans se faire amocher, quoi. On va faire un peu le snipe. Ok, c'est cool, ça rend une balle, ça le nique. Direct. Je regarde si je veux quelqu'un d'autre. Oui, par exemple là. Fusil à pompe. Par exemple. Bouge pas. Headshot. Hop. Tu déconnes là, ouais, voilà. Voilà, on récupère. Comme d'hab. Est-ce que ça va? Je sais pas si ça va. Bon. Tac. Hop. Ouais, ces trucs-là, je les ai mis, je m'en occupe pas. Ça me semble hors de question. Quoi?
Je veux bien, mais ça vient d'où? Ok, bonjour. Putain, mais... Ah, ça m'énerve, tiens. Bon, moi, on a fait... un peu de santé. Mais l'autre là qui nous tire dessus, il est où? Je vois pas où qui nous tire, monsieur. Il reste plus qu'une balle en plus. Putain, mais il y en a combien qui vont arriver comme ça? Bon, vas-y, on court. On s'en fout. Hop. On a plus de... Ça, c'est un beau travail d'équipe, ça. Hop, on récupère. On récupère. Je sais pas d'où ça vient vraiment. Quand je vais le savoir, ça va choper, hein. Vas-y, on bouge, on bouge, on bouge. Hop, on récupère les balles. Alors, moi, j'irai juste voir un truc vite fait. On va rechercher tout ce qu'on a. On va la recharger. Ok. On reprend l'âge. C'est quoi qui est plein? Ah, c'est l'âge. Où dois-je aller? Peut-être par là. Je peux expliquer pourquoi lui il est carrément dedans, franchement. Je sais pas là. Le mec cherche même pas à comprendre, hein. Il y va, hein. Ouais, non, mais je crois qu'ils sont morts, mais j'aurais juste que tu tapes les caisses en fait. Ok, donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est pas ouvert. Okay. On continue le périple de descendre. mais je crois que ça ne sert strictement à rien. Voilà. Ok. Donc, du coup, on va aller par là. Ah.
Non mais mec, c'est un petit peu logique, non? Je sais pas. Ouais, on descend. Ah, c'est ce que je te demandais tout à l'heure, en fait, tout à l'heure. Il est énervé sur les deux pauvres mecs, là. Alors, ensuite... prends les balles. Tout ce qu'il y a. Ok. Pourquoi ça ne se s'ouvre pas? Il manque-t-il quelque chose? Ça c'est quoi tout à l'heure? Laisse casser ça, est-ce que tu pourrais me les casser? C'est bon, ça y est. Ça, c'est ce que je voulais faire en fait. Mais bon, j'ai pas le droit. Et tu fais pareil au pistolet. Voilà, comme ça, tu perds les balles. Je cherche hein, ce que j'ai pu louper, mais pas trop ce que j'ai pu louper. Parce que là, c'est d'où qu'on est arrivé. Ah bah c'est peut-être lui justement qu'il faut que je nique. Alors... Tac. Oui, il s'effondre. Tu peux te pousser. Voilà.
là. On va pouvoir passer normalement. Je viens quand même. Normalement, c'est le tout compris. Mais merde, c'est pas par là. Tu peux remonter, s'il te plaît. Parce que là, du coup, on a vraiment eu tous les zombies possibles. Ok, alors là, merci le bug. Non mais c'est une blague. C'est juste une grosse blague. Non mais sérieux. Comment voulez-vous que je l'aie? C'est au carreau harponneur. Ah, ça veut juste être une blague, hein, franchement. Forcément, ouais. Non mais là ça va pas être possible, enfin, franchement. Voilà, le voilà là. Ah, ça lui fait rien quoi, enfin je veux dire. En mode déprime total. C'est pas possible que ce soit normal. Je pense que je vais essayer de. Bah, je vais. Qu'elle est complètement bugée. Bon bah, ce fut qu'un au revoir. Non, je peux même pas sauter pour me suicider pour recommencer. C'est quoi cette blague? On peut même plus suicider comme on veut maintenant. Regardez-moi ça, ça disparaît! Mais non, mais c'est quoi cette blague? Je peux plus mourir! Je veux mourir! Si quelqu'un m'entend, qu'il me propose une solution ou qu'il se taise à jamais. Non mais c'est juste une blague. C'est juste une blague. Rassurez-moi. Rassurez-moi, c'est juste une blague. Rien à ça, les pics me font rien du tout. Rien. C'est juste une blague, écoute-toi. Je peux même pas tomber, je peux rien faire. Aïe. Il va falloir commencer toujours à tout le chapitre, pas commencer juste au checkpoint. Et au pire, je vais partir avec le. Non, pas forcément que non, ça non plus, ça ne marche plus.
Je vais partir juste avec le miroir, vous savez, et puis revenir après. Mais non, 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 forcément, non, ça marche pas. Ah bah si, je peux me suicider. Il y a encore les trucs. Ce ne fut qu'un au revoir. Voilà. Bon ben, oh, que dire. Ah, j'en aurais des choses à dire. Putain. Sérieux, mais il y a que moi que ça peut arriver des choses comme ça. Quoi. Le mec, il est buggé, mais de chez buggé. Bon bah si vous aussi vous avez rencontré ce genre de bug, hein, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je vais m'occuper directement d'eux. Ça au moins, si ça bug, bah. Ça, je serais bien passé. On n'y arrivera pas si on ne détruit pas ces batteries. Aïe. Ah bah là, je suis pas bugué par contre. Là, je me le prends bien les bordels, y'a pas de soucis. Ah putain. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. Pas de soucis. Y'a pas de problème. Ok. Ensuite. Ouais. S'il te plaît. S'il vous plaît. Mais putain. Je suis dans une blague. C'est même plus un jeu vidéo, c'est dans une blague. Ah, ça devient. Ouais, toi tu crames. Comment on récupère un gadget là? Non mais sérieux. Franchement, va falloir m'expliquer c'est quoi ce bordel. Ah ouais, c'est chez Vitre 6 pattes de contrôle, je comprends mieux. Moi aussi je perds le contrôle là. J'en ai marre. Juste marre. Voilà, c'est tout. C'est une blague. Ce chapitre est une blague. Normalement, c'est un jeu d'horreur. Là, c'est un jeu de blague. Ni plus, ni moins. Il faut qu'on les détruise tous pour pouvoir rentrer. Sale. Lui, maintenant, il ne fout plus sa cabane. Bon, bah, allez! Ça se trouvera dessus quand même. Qu'est-ce que ça fait dans la tête, ça? Voilà, on n'y arrivera pas si on ne détruit pas ces batteries. Hop. Il me pousse en plus, j'adore. Bon, moi je vais prendre le fusil à pompe. Tac, une petite seringue. Hop. Il n'y a pas de problème. Souci. Du coup l'autre ça s'ouvre quand? Ça s'ouvre maintenant. Il démerde bien avec ça, je pense. Ah. On reprend le fusil à pompe, parce qu'il n'y a plus de balles, forcément. Ça aurait été trop beau aussi. Ah, mais il se démerde super bien, même. Vous savez, il y a des jours avec, il y a des jours sans.
Et là, je pense vraiment que c'est un jour sans. Donc, je vais vous laisser là, les gamers. Vraiment là. Voilà, là où qu'on est. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère. Avec pas de bug. Parce que là, je vais juste péter un câble aussi. Voilà, donc je vous laisse là. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Hein, malgré tous ces bugs. Voilà, je pense que je vais rager fortement. Sinon, je vais péter un câble. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt sur Gesso Gaming pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les gamers!